m'appelle Tatiana, je viens de La Salle. Je suis née ici, j'ai essayé tous les arrondissements pour habiter puis j'ai décidé de revenir m'installer ici. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi en vous faisant visiter mes endroits préférés. Bienvenue au Centre culturel Henri Lemieux. Ici, il y a des cours, des ateliers, une garderie où je suis allée et où je vais envoyer ma fille dans quelques mois. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est la salle de spectacle. 162 places, c'est tout petit. Puis cet automne, je vais venir voir Philippe Braque et Milk & Bone. J'ai vraiment hâte. À Montréal, on voit souvent le fleuve, mais c'est rare qu'on ait dedans. Ici, à l'école Kayak sans frontières, on peut faire du kayak, on peut faire du surf, on peut faire du stop. Ça nous permet vraiment de nous réapproprier le fleuve. C'est vraiment un endroit à découvrir à La Salle. Ici, on peut louer des paddleboards. Ces grosses affaires-là nous permettent de nous mettre debout et de se promener pendant des heures sur le fleuve. C'est tellement cool! Si moi, je l'ai fait, vous aussi, vous pouvez. Bienvenue au Parc des Rapides à La Salle. Oui, on est à La Salle, mais c'est sur les rapides de la Chine. C'est les plus gros rapides qui sont dans une ville dans toute l'Amérique. Et pour moi, c'est vraiment là où j'ai grandi. C'est un endroit que j'ai fréquenté vraiment souvent. Je trouve que c'est un lieu vraiment parfait pour un premier rendez-vous ou quand on est déjà en couple pour une petite marche avec son amoureux ou son amoureuse. Quand vous allez venir à La Salle, vous n'aurez pas le choix de vous arrêter au La Salle Drive-In. C'est une ancienne station d'essence qui a été transformée en restaurant, qui existe depuis à peu près 50 ans. C'est vraiment l'endroit où tout le monde de La Salle commande sa bouffe. Puis moi, je vous ai commandé le spécial. Je vais même vous apprendre comment le commander quand vous allez venir ici. Alors, ça s'appelle un Pete Special. Vous devez le prendre petit parce que ça, regardez à côté de mon visage comment c'est gros. Ça, c'est le petit, puis il y en a deux comme ça. Vous allez devoir faire attention au vent. Vous allez devoir commander sauce orange parce que c'est une sauce un peu mystérieuse. J'ai jamais rencontré un La Sallois qui sait ce qu'il y a dedans, mais c'est vraiment bon. Au plaisir de vous voir à La Salle. C'était Tatiana pour cette tournée de mes lieux préférés de La Salle.